Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tout le participant qui est embranché et bonjour à Panelis nous qui est déjà là. Et je dis à mon content là avec nous, non pas M. Fritz, bien Jean-Baptiste, et j'aime dire que c'est un plaisir pour moi d'être capable avec nous sur le panel ça. Donc nous là, dans le cadre du programme d'aide à ton communautaire, PIC, qui est implémenté par Bunge et qui est supporté par IRI. International Republican Institute et NED, National Endowment Democracy. Donc, c'est tout partenaire sérieux qui mettait ensemble pour nous capables de mettre le programme PIXA sous pied. Alors, qui objectif programme ça? C'est pour permettre à jeunes dans le Grand Nord, parce que le programme n'a fait pour une deuxième fois dans le Grand Nord, surtout dans 9 communes, qui sont Balimbé, Limbé, Milo, Perche, Pillon, Pilat, Pomago, Sainte-Suzanne et puis Vallière. Donc, c'est dans 9 communes sérieux que le programme s'est réalisé pour une deuxième fois pour capable aider jeunes sérieux, bah, des outils pour rassembler, mettre tête ensemble, former des projets et pour être capable d'être des agents de changement, des porteurs de changement dans la commune. Donc, c'est dans le cadre de ça, nous, là, je dis à ce panel, ça, pour dire que nous allons parler d'un sujet bien spécifique. Donc, juste avant, le programme, ça va être possible sans un paquet de sponsors, donc au Chocarella, ça passe au Cap, et quoi, Haïti, au Cap, Chibios, etc. Donc, nous avons un paquet de sponsors qui a aidé nous à réaliser le programme, ça. Nous, là, je dis à ce panel, ça, je dis, moi, qui gagne petite, meilleures pratiques de projets jeunes innovants. Donc, je dis, hein, nous sommes avec nos 2 jeunes sur le panel qui veulent partager l'expérience sur. Donc, objectif principal panel, ça, c'est pour aider les jeunes participants ça, pour être capables d'acquérir des connaissances, acquérir des bagages, apprendre de l'autre qui est capable de devancer, qui organise des projets déjà en pile d'initiatives, donc pour être capable d'apprendre de comment comporter face à une situation donnée et qui fait être capable de réussir jusque-là. Donc, je veux dire, c'est on partage l'expérience, on partage de connaissances pour tout le monde apprendre ensemble. Donc, et participants sont capables de poser des questions tout dans fin parallèle. Donc, nous allons échanger ensemble. All right? Donc, nous sommes avec nous, je veux dire, Jean-Pierre Versil avec Yoseline Vital. Donc, on va vous dire trop, on va vous dire trop sur nous. Donc, on veut donner une opportunité pour nous présenter, nous, pour nous parler avec tous les participants. Donc, à qui est-ce qu'on a commencé? Pour les femmes d'abord? Ok, Yuseline, the stage is yours. Bonjour tout le monde, merci parce que, en fait, moi content ensemble avec nous aujourd'hui pour deuxième partie du programme PIC-LAN. Et non pas, c'est Yuseline Vital, moi c'est fondatrice et directrice artistique Paillette Design qui sont ateliers qui créent des tableaux artisanaux et qui déjà vendent dans quatre continents. Et moi c'est tout, fondatrice Girlpreneur Haïti, c'est une communauté de femmes entrepreneurs, soit qui aspirent, filles qui veulent faire business ou bien filles qui sont dans le business déjà, nous supportons, nous sortons avec eux dans le business informel, nous rendons le business informel ensemble avec eux, nous faisons formation pour eux, nous suivons pendant tout au long de l'étape. En gros, c'est ça. Et donc, on est avec nous sur le panel, Lucine Vital, fondatrice Paillette Design, qui fait des tableaux artisanaux avec des paillettes. Donc, c'est vraiment extraordinaire, qui aide l'autre jeune, tout l'autre jeune femme, à avancer dans le domaine entrepreneurial. Et nous est avec nous, tout l'autre jeune, qui est Jean-Pierre Vertil, qui va quitter le présenter, les dénoncer ça le fait, etc. Qui est-ce? Bonjour, Jean-Pierre Vertil. Bonjour Fritz, bonjour Yusline, bonjour tout le monde. Donc moi c'est Jean-Pierre Vertil. Moi je travaille avec l'équipe qui organise PUSH. Donc PUSH c'est un groupe qui aide à former les jeunes qui font graduer ou bien jeunes qui presque finissent avec études universitaires. Nous former en employabilité. Donc ça veut dire nous aider à vendre plus bien, leur chercher un travail et nous aider à comprendre tout ce qu'ils doivent faire les jeunes travaillent ça pour être capables grandi dans la compagnie côté curieux qui j'ai pu accéder aux ressources pour avancer avec carrière professionnelle et tout. Donc, moi, j'ai travaillé avec l'équipe qui administrait PUSH et puis pour Kounia là, je fais une étude côté que je fais une maîtrise dans administration d'entreprise. Donc, c'est moi qui m'a fait attendre pour Kounia. Et moi, vraiment content avec nous matin. Ok. Et c'est un plaisir pour nous d'être avec nous sur le panel, Jean-Pierre et également Yoseline. Donc, nous allons commencer avec une question. On a commencé à la base, à la base. Donc, c'est vrai que nous entreprenons en pile d'initiatives et nous faisons en pile projet, nous réalisons en pile projet, mais c'est sûr que le projet, ça va répondre à un problème que nous constatons. Right? Donc, et, nous avons aimé nous partager avec les participants.
sur qui base nous définissons un problème. Comment nous juger une situation, telle situation, c'est un problème et que nous méritons de résoudre. On va commencer avec Yusli, toi, ça. En fait, on va parler de deux expériences, et parler de design et girlpreneur. Premièrement, girlpreneur, j'ai commencé avec elle après une étude, j'ai fini prendre un entrepreneuriat. Et puis, j'ai commencé à partager sur Facebook moi quelques méthodes de notre business que m'apprendre et puis m'a partagé des petits captions tout petits qui parlaient de ça. Et quelques temps après, DM m'a été rempli avec un paquet de bonnes jeunes filles qui ont dit qu'ils ont besoin de faire business, ils ont encore, ils ont telle idée, comment m'a aidé, comment m'a aidé, comment m'a aidé. En fait, comme pour nous, actuellement, seul moyen nous pour nous sortir en pile de jeunes filles, c'est soit ils vendent soutien ou bien ils vendent culotte ou bien ils vendent un produit maquillage. Donc, on a trouvé, on a jugé bon que, au lieu de nous rester dans la méthode suivre, j'ai maman nous à papa nous dès qu'on fait business, mais on a l'autre façon qui est plus formelle, qui a aidé nous à avancer. Et c'est notre façon formelle que nous voulons implanter Girlpreneur Haïti. Ça te vient de faire que nous répondons avec problème. Lacune que mon yogin qui a fait offert moins déficit les investissons l'argent pour faire un commerce quelconque. Donc ça te venait de plus jeunes filles campées et à travailler 8 à 4 ou bien à étudier, mais tout à côté gain l'autre entrée qui permet de subvenir avec besoin. Et pour pas design, moins problème qui te gagne, c'est que dans le secteur artisanat, un map fait a été considéré comme un hors de rue, comme si l'on passait pour la rue ou elle. Mais le problème, non, c'était vendre toute qualité, mon type de tableau que map fait. Et il est difficile pour faire de religion qui pèse un pile parce que il faut tableau qui a un rapport avec vaudou. Et si on n'a l'autre religion qui n'est pas vaudou, il ne peut pas acheter un tableau. Donc, on définit ouais, que le problème, non, c'était faire un côté tout le monde a bien accès pour acheter un tableau qui fait en Haïti et qui représente un culte local en face pour nous vendre tout le monde pépite. OK, est-ce que vous pouvez continuer? Oui, donc c'était un problème que moi t'ai identifié qui définit permettre moins cap vendre quelque national là et ici en Haïti avec mon quelle que soit la religion yo mais tout porter vers l'autre pays l'autre continent qui a fait connaître que quelque part un bon côté en Haïti qui gagne créateur qui a fait de belles bagailles. OK, donc d'un côté où tu as essayé rendre en série de mesdames indépendantes dans l'idée de créer business et légaliser business. Et de l'autre côté, où tu as fait gens pour légaliser, comment dire, artisanat haïtien et vendre plus avec toute couche. Donc, ça, c'est vraiment. Ce n'est pas légaliser le mot, non, mais c'est faire arriver plus loin, aller au-delà de sa pensée, de un tableau paillette, par exemple. Parce que c'était principal, non, ça, c'était 20 tableaux paillettes qui est différent d'un tableau peinti. OK, donc c'est plus élargi cadre là. Élargi cadre là. OK, d'accord. Et Jean-Pierre Vertil, c'est toujours la même question. Partagez avec nous comment on définit un problème et comment juger que tel problème mérite résoudre avec une initiative. Très bien. Oui, donc, moi, offrir une perspective un peu différente. Donc, pour moi, lorsque moi essayé d'identifier un problème qui méritait une initiative quelconque, donc, ça que je commence à faire, c'est vraiment comprendre le problème. Donc, il est assez facile pour identifier le problème si vous êtes juste curieux ou qui t'es ouvert chaque jour. Donc, là, facile pour énumérer différents problèmes qu'on rencontre vraiment chaque jour. Mais quand on a long contre problème ça, c'est est-ce que le problème est vraiment son bagage qui est assez spécifique, qui est assez solvable, qui vraiment mérite une solution. Donc, quand on va faire ça, c'est garder qui ressources qu'on gagne et d'après ressources ça yo est-ce que vous vraiment capable est-ce que vous disposez de assez pour capable adresser problème ça. Donc par exemple avec Push là, nous t'ai commencé avec employabilité en général. Donc employabilité son bagage qui est assez vaste, mais nous dit nous OK, donc en Haïti le nous garder taux emploi di son bagage qui est assez qui pas vraiment côté le tadouyer.
et puis nous mande tête nous qui ça que nous capable faire pour nous résoudre problème probabilité. Donc nous dit OK, probabilité en est trop vaste, donc on essayer aller un peu plus loin. Donc nous dit OK, peut-être que nous capable focus sur probabilité jeune. Mais même l'employabilité jeune, li vaste encore. Donc nous décider qui ça que nous capable faire pour nous aller un peu plus loin pour capable arriver à un point côté que li solvable pour que nous-mêmes nous capable vraiment peut-être porter une solution quelque part. Donc on a nous dire que nous parler un peu plus loin, nous pas regarder en probabilité jeune qui dans université qui fait KPC entrer sur marché emploi. Donc là nous dériver spécifique assez côté que nous dit être nous OK, ça sont pareil que nous capable comprendre plus bien parce que nous-mêmes tous nous c'est les jeunes, nous gain accès avec en pile monde qui dans même situation avec nous. Donc nous-mêmes gain une sympathie qui peut être plus proche que employabilité globale et puis à partir de là il vient plus facile pour nous commencer à implémenter quelques solutions qui spécifiques parce que nous était capable d'arriver à niveau ça. Et on l'autre bail que nous capable faire encore, le NAPC défini est-ce que ça vraiment son problème, c'est interviewer moun et c'est comprendre exactement à la base qui ça qui fait que problème dans son bagage qui pas qui pour qu'on résoudre pour capable vraiment comprendre tout différents aspects problème ça avant que vous commencez à porter des solutions. OK donc et si n'a fait un coup de résumé de sa jeune doué kembe dans toute ça que je dis là, premièrement faut qu'on esprit critique qui très développé, faut qu'on analyse pour voir quelle situation qui problématique, quelle situation qui pose problème. Et deuxièmement, faut vraiment faut vraiment spécifique, faut fermer cadre parce que pas qu'à résoudre tout problème, faut qu'on ait qui soit veut attaquer précisément. OK, donc parce que jeune nous a pris note de ça, on a poursuivi avec question. Donc c'est vrai initiative là pour que nous remarquer problème là nouvel et nous situer. Donc kounya, comment nous assurer nous que initiative là bon impact social, parce que vraiment de nos jours nous vraiment parler d'impact social pour projet. Donc comment nous assurer nous que initiative que n'a prend yo li bon impact social sur pour monde que n'a prend pour public cible nous, voilà. OK. Donc vient-il nous commencer à qu'il vient trop, vient-il n'a commencer à vous faire ça. Pas de problème. Donc d'ailleurs me comprendre un peu plus bien. Donc l'autre impact social, qui ça vraiment que vous l'avez dit. Donc je suis capable de clarifier ça un peu. Ouais. OK, c'est atterrissage projet. Donc projet c'est pour résoudre un problème que nous avons constaté par rapport avec une situation c'est le monde là-dedans. Donc très bien. Ça a plus aller dans résultat. Donc comment évaluer, comment assurer que le projet atterrit. Très bien. Donc, je pense que premièrement, il faut qu'il y ait des métriques qui sont assez importantes avant même que vous commencez à implémenter le projet. Donc, avec Push, par exemple, le premier bail que nous avons fait, nous avons gardé l'aspect social. Là, nous disons, OK, nous allons laisser placer les jeunes. D'abord, nous allons former et puis placer dans un stage et puis un emploi. Nous disons, nous voulons d'abord que vous ayez assez équité de gens. Donc, nous disons, il faut qu'au minimum, tu aies 50% filles dans le programme. Non? Donc, ce bail que nous avons prêté un peu l'attention avec lui. Et puis, une fois que nous commençons avec le recrutement, nous remarquons que la majorité des gens qui remplissent le formulaire, c'est des garçons. Donc, nous commençons plus faire plus booster avec la publication que nous avons fait. Nous essayons de cibler plus filles là-dedans, par exemple. Et nous faisons quelques initiatives côté que nous-mêmes passons dans quelques universités, faire présentation pour nous capables d'agrandir la quantité de monde qui appliquent dans le programme, pour nous assurer que non seulement nous recrutons un pourcentage égal fille avec garçon, mais que tout, que nous ayons assez de monde qui appliquait pour nous assurer que la qualité est capable d'être à un niveau qui vraiment acceptable ou qui préférable pour la compagnie qui peut éventuellement recruter jeunes salariés. Donc, ça, c'est le premier bagage. Ensuite, nous avons dit nous tout que le jeune salarié placé en stage, il faut que nous joignions, faut que nous assurions que nous traitions en façon qui est juste. Donc, pas question, par exemple, pour que jeune ne commence à travailler et que il n'y ait pas aucune rémunération, que l'a fait volontariat. Donc, à chaque fois qu'une entreprise contacte nous et que dit nous, par exemple, que tu as aimé recruter un jeune quelconque, nous assurons que l'entreprise a abaille les jeunes au minimum, côté que au moins elle est capable de couvrir transport et puis frais manger pour moun ça chaque jour. Donc, ça, c'est quelques barrières qu'on est capable de faire tout. Parce que le que où c'est en facilitateur. Donc, tu as coupé, on a mis un
entreprise là et puis jeune là. Donc ou bien on voit. Donc voit ça permet tout bien quelqu'un influence. Donc la plus difficile pour jeune là qui c'est première expérience emploi pour lui faire compagnie à quelques exigences. Mais nous-mêmes parce que nous c'est essentiellement une institution et nous en même temps nous capable utiliser influence par nous la caille compagnie pour nous capable faire pour nous capable assurer nous que yo bail jeune yo support et puis tout ressources que besoin pour capable vraiment réussir. Donc pour moi c'est essentiellement ça, c'est premièrement gagner des métriques qui est assez spécifique avant même qu'on commence et utiliser toute influence qu'on gagne pour assurer que j'ai traité tout le monde que on travaille avec eux de façon qui est juste. OK, Jean-Pierre, merci pour tout conseil, pour toute expérience que vous acceptez partager avec jeunes pour vous capable grandir. Donc, quand il y a une question adressée à vous-même, Yoseline, c'est comment vous assurez que le projet atterrit et que vous impact social. Donc, avec Jean-Pierre, nous apprenons que non seulement il faut que vous ayez une maîtrise de tout ce que vous faites, et il faut que vous ayez des suivis parce que c'est vous qui formez jeunes, mais vous avez fait une formation et vous dites que vous voulez attaquer le problème entrepreneurial, le problème employabilité, vous voulez aider jeunes jeunes travail pour faire une formation pour et puis au parcours jeunes travail. Donc faut bien suivi dans tout ça ou dans toute action que vous dites que vous avez posé. Donc pour même Yuseline, comment assurer partie ça un projet que vous avez entrepris? OK, moi même ça me t'ai fait même t'as commencé, une gagne idée en tête moi mais faut moi de définir objectif là. Qui côté me voulais aller avec lui. Et question que me t'as posé me plus souvent c'est à qui ça ça va l'utile de société. Comme si ça va entrepreneur qui ça va l'utile, est-ce que c'est moi qui parle en faveur ou bien est-ce que c'est société un exemple pour te en plus pour l'autre monde qui dans même tranche d'âge avec moi qui vit qui passer me cap suivre moi qu'a prendre comme exemple. Et ça t'est venu fait que c'était première idée qui te permet moi lancer avec Girlpreneur et monde qui fait partie de communauté en science et de monde qui âgé on dit entre 16 à 35 32 ans 32 35 ans. Donc moi t'est venu moi que si je travaille plus m'apprendre plus ça t'a pas permettre moi montrer partager plus expérience avec mesdames ça yo et ça vient faire que yo t'est venu plus enthousiaste parce que moi partager avec yo ça moi prend dans des projets ou bien des études que moi fais et yo vinn enthousiaste yo voulait participer et puis yo suivre exemple que moi bail avec business moi que m'entreprendre et ça vinn fait que société vinn gain non seulement des monde qui a travaillé et qui a payé taxes pour en partie pour aider société à avancer mais tout c'est monde qui vinn des responsables et puis qui gain entreprise qui a marché qui non seulement l'argent qui a fait a été brassé dans la communauté hein. Bien que majorité nan yo se bagay yo pran ailleurs pou yo vin nan pays an mais par contre l'argent c'est la rete parce que le business lan vin légal yo paye patente yo paye espace lan donc yo aide l'autre yo employ l'autre moun donc tout ça c'est bagay ki rete an dans société an et qui permet société an avancer c'est yon ça c'est un impact économique m'a dit que li fait. Deuxième expérience que moi fait nan business personnel moi c'était un impact plus sur environnement. L'homme garde moins gain industrie textile là à travers le monde li polluer en pile environnement. Et moi t'ai choisi utiliser rad que moun pa mete encore pour me travailler avec yo en pièces détachées pour me créer table yo. Donc living gain en fait living gain un autre aspect social la donne c'est que non seulement ça moi apprendre l'autre monde parce que c'est pas pile monde qui connaît travail m'a fait moi apprendre l'autre monde l'autre jeune qui pas t'a fait rien femme dit ça qui pas t'a vraiment fait rien moi apprendre yo et yo venir être ensemble avec moi pour nous faire collaboration pour nous travailler pour nous avancer et yo rémunérer ça c'est impact et social et économique qui fait à travers ça donc là plan son projet non seulement où était tout avant femme dit ça mais ouais tout qui ça va le porter en plus pour l'autre monde qui beau côté que ce soit la caillou ou bien dans l'autre environnement que ou habite là dedans ou bien dans société hein ça va le porter et ça monde qui a venir après yo qui ça va le prendre comme leçon à partir de ça. OK Yuseline, donc et nous autres apprendre là que c'est vraiment important
pour qu'on ait qui ça qui en plus que pour j'en apporter dans la communauté. Donc vraiment une diversité ça qui gagne sous panel là, tantôt nous gagne des impacts sous jeunes directement dans question employabilité, tantôt nous gagne des impacts économiques, tantôt nous gagne des projets qui gagne des impacts sur environnement. Donc tout ça est relié avec le monde, tout ça c'est on va parler de l'impact social dans tout cas. On vraiment apprécier la diversité ça qui gagne parce que jeunes nous pas prendre en pile là. Donc j'aime te dire on a poursuivre, c'est en progression avec question. Maintenant nous fin définir problème, nous bat démarche pour nous des techniques, nous définissons bien le problème que nous voulons résoudre et nous parler de qui pas comment nous assurer le projet la réalisation de bon impact social sur la communauté. Et la troisième question c'est comment nous susciter implication série de acteurs dans le projet, parce que c'est vrai le projet a fait il doit y avoir monde qui pour et il doit y avoir monde qui contre, mais qu'il y a comment nous aborder monde ça pour nous capable susciter implication dans le projet, nous peut-être des monde qui a participé avec nous, des monde qui a aidé nous, des collaborateurs etc. Donc comment nous fait pour nous susciter implication monde ça dans le projet, nous fait monde participer activement avec nous. OK, en fait m'a commencé pour me dire monde pas toujours gain même engouement que gagne le seul clan son projet, comme si c'est ou quand mener monde dans le projet là, même ou même qui responsable projet ou pas toujours à 100% ou pas toujours à fond. OK, mais gagne des techniques que on peut utiliser, des techniques de leadership que on peut utiliser qui pour kembe monde qui ensemble avec eux et puis ou même pour kembe tête. En fait la vie dans une société qui ont des gens difficiles et ça fait que monde est plus souvent dépressif que yo actif. Ça moi-même te fait pour te kembe moun yo, c'est montrer yo que nan mitan tout problème gen une solution et peut-être que solution ki a fait kounya pas marcher, peut-être que méthode que utilisé là ka pas fonctionner kounya, mais si ou fait pour compte tout li ka pas directement arriver nan niveau que vous voulez arriver ni arriver que vous voulez arriver, mais sou mete ensemble avec l'autre qui peut-être que ou même dans domaine ça on ti gens faible et pour que l'autre monde qui pi ou dans domaine là soumettre ensemble avec lui, peut-être que nous ka fait deux ou trois pas en avant. OK, quand ou sans ou descend yo, peut-être que monde ça qui ensemble volant li ka et de monter. C'est comme ça que nous en fait moi même expérience mais c'est comme ça que me travaille, comme moi plus travailler avec fille. Et on va bagarre encore que nous te fait on utilise une technique qui est le to do work done. N'a fait, n'a travaillé pour lui, n'a fini. Avec équipe, moi c'est comme ça nous fait. Souvenez-moi pour mon grand tableau qui écrit to do work done. Toi bagarre ça yo, faut nous suivre étape là. Quel que soit agence ça y est, quel que soit temps il prend, bon, bien que faut nous mettre un temps pour nous finir, un temps pour nous commencer, mais quel que soit ça nous joigne en tant comme problème social ou bien des troubles que n'a rencontré dans le pays pour voilà avancer, mais ou a fait ou a travaillé pour lui et puis ou a fini ou a mettez mon avoir ou a cherché l'autre ressource parce que toute ressource est déjà là déjà, peut-être que ressource financière en manqué ou moi gagne toute bagaille. OK, et puis ça me fait encore moi TED Tokyo m'apprendre tant de en pile. Moi, après, je suis de l'histoire du monde qui passe des difficultés énormes, mais qui toujours kembe et qui a vécu ici en Haïti. Parce que ça y est, quand on veut monter l'équipe là. Donc, c'est une sorte de leadership qui, non seulement participatif, mais qui est encourageant, que moi utilise pour l'équipe. OK, donc, Yusine, se partage quelques bonnes techniques avec nous. La première, comment on implique dans le projet, il faut pour des résultats. Parce que depuis mon nouveau commencé à faire action, il y a voulu participer tout. Donc est-ce qu'on peut partager technique ça ensemble avec jeunes to do work done. Donc parce que jeunes apprendre de ça to do work done. Vous mettez sur gain pour faire ou travaille sur lui et pour réaliser. OK, n'a passé avec Jean-Pierre Versailles toujours même question. Hein? C'est comment ou susciter implication des acteurs dans le projet là ou dans l'initiative ou faire ou participer activement. Très bien. Donc pour moi comme on dit c'est que il pas jamais facile pour impliquer moun même le gion rémunération directe. Et l'offre volontariat il plus difficile toujours.
Donc, pour nous, avec Push, par exemple, donc, le manque d'équipe, nous, hein, donc, gens que nous arrivés impliquer tout le monde, c'était avec quelques méthodes différentes. Premièrement, nous avons essayé de gagner un esprit qui est assez, qui a un peu de motivation là-dedans. Donc, par exemple, à chaque fois que tu gagnes un petit succès quelconque, même si son bail est minime, nous t'es assuré nous que nous t'es prêt pour célébrer pour nous assurer nous que tout le monde vraiment comprenne que yo fait partie du succès ça et que sans support yo nous pas t'a réaliser ça qu'on fait réaliser hein. Donc son gens pour assurer que tout le monde vraiment fait sentir que fait partie de l'équipe là et que fait partie de l'histoire qu'on a créée ensemble. On l'autre bail que nous fait encore c'est que nous essayer assurer nous que nous bail crédit à chaque fois le possible. Par exemple, si on monde qui t'est fait on y faut en plus y aller un peu plus loin pour que nous soyons capables de réaliser un aspect quelconque de projet. Nous assurons que nous ça, nous balayons le podium, nous balayons les félicitations que lui mérite pour que ça soit capable de porter une motivation pour lui tout. Et quelques autres choses que nous faisons encore, c'est qu'il y a une certaine familiarité dans l'équipe. Donc, par exemple, depuis c'est anniversaire au monde, même histoire. Nous assurons que nous prenons un petit temps dans la journée pour nous célébrer maintenant, que c'est quelques messages nous voyons sur WhatsApp, que c'est partager photos sur ce groupe-là avec maintenant. Juste encore pour assurer nous que nous avons fait, que nous avons senti que nous participons dans l'équipe-là, que nous vraiment fait partie de l'équipe-là et que sans lui, nous ne sommes pas capables vraiment côté que nous y connaissons là. Donc ça, c'est quelques méthodes que nous utilisons dans l'aspect équipe interne. Nous. Mais qu'on y a le qu'on a regardé l'autre partie qui participe dans le programme, par exemple, employeur qui peut engager stagiaire. Donc, les gens que nous essayons de motiver, c'est d'abord essayer de faire comprendre l'avantage qu'il y a pour se voir leur employé ou stagiaire. Donc, nous faire comprendre, premièrement, que c'est une opportunité pour évaluer un monde avant même que le monde soit commencé à travailler à temps plein avec eux. Donc, c'est un avantage qui est vraiment assez extraordinaire. Ensuite, nous faisons comprendre tout que c'est un impact social qui est capable même d'améliorer l'image de compagnie par eux. Parce que par un pile compagnie vraiment imbunant ou freestage by jeunes, supporter les jeunes comme ça. Donc, c'est un plus pour eux que lié tout. Et l'autre chose que nous faisons tout, c'est que nous soignons propre image par nous dans la push. Parce que si vous voulez une compagnie associée à vous, il faut que l'image pas assez propre, il faut que l'image pas assez exceptionnelle. Donc, nous prenons ça très au sérieux. Tout. À chaque fois que nous organisons une formation quelconque, lorsque nous organisons le salon de l'emploi, nous sommes capables de parler de salon de l'emploi un peu plus en détail, tout, si nous voulons. Mais à chaque fois que nous organisons un événement quelconque, nous assurons que nous fait bien. Parce que s'il n'est pas bien fait, il y a des choses qui ne pas trop aller, il y a des compagnies qui ne peuvent jamais afficher. Avant. Donc, idéalement, s'il fait bien, même s'il n'est pas grandiose, si vous êtes capable d'assurer que son bail qui fait bien, que vous êtes capable de parler bien de lui. Donc, le ça, la vie plus facile pour que vous êtes capable de motiver plus de monde pour faire partie du projet que vous travaillez sur lui. Donc, ça, c'est quelques petits détails qui étaient marchés pour nous et que nous avons recommandé des jeunes de considérer tout. OK, donc ça, plus basé sur l'apparence, tout. Donc, bon, Jean Bouillet, vous êtes capable de dire. Donc, faut bien présenter pour vous êtes capable d'allier avec. Et on l'autre bagage encore que vous notez qui est très important, c'est créer un esprit d'appartenance et la carrière monde qui a participé à avoir. Donc, par l'importance que vous méritez pour être capable d'impliquer au plus toujours dans le projet. OK, donc, et question vraiment, c'est en pile sur chat. Tout à l'heure, il y a une question participant pour nous, mais entre-temps, nous avons quelques questions qui étaient toujours. Et question, ça peut venir là, très important, parce que je pense que c'est en pile monde qui a fait initiative, qui a entrepris des activités, fait face avec lui. Donc, toujours des problèmes là et mettre une initiative sur pied, toujours un paquet de problèmes où il doit manquer de ressources, etc. Donc, comment nous-mêmes nous réagissons face à un problème qui empêche l'initiative nous avancer? Donc, il faut que nous avancer et peu importe qui façon, il faut que nous avancer, mais problème mieux qu'on voulait empêcher nous avancer. Donc, et laisse là qui ça nous fait pour nous avancer? Comment nous gérer cette situation ça? Ouais, comme commencer. Donc notre deux situations, premièrement, il faut qu'on comprenne qui ça qui est extrêmement important pour que le projet avance et qui ça qui peut être tombé qui est superficiel. Donc, si vous avez un problème qui fait que vous avez une contrainte avec un aspect qui est assez superficiel de projet,
Donc, pas quitter ça, bloquer vous. Mais si son bail qui est assez majeur, là, vous obligez d'avoir un plan B et même peut-être un plan C. Et on l'autre bail qu'on est capable de faire, c'est utiliser les problèmes ça pour garder qui sont capables d'innover. Donc, moi, le bon exemple. Donc, ça fait 2 ans, nous voulons faire en 4e édition pour Push. Donc, nous avons déjà fait 3 éditions, côté que nous formions environ 150 jeunes. Donc, ça veut dire que nous avons formation. Et après formation, nous organisons ça notre emploi, côté que nous avons une pile compagnie qui vient parler avec jeunes directement, face à face. Et après interaction, ça devient plus facile pour compagnie engager jeunes pour stage, emploi, etc. Donc, ça a marché bien pour 3 premières éditions et nous avons décidé de faire en 4e. Mais dans l'espace comme ça, nous avons une pile d'instabilité politique. Donc, il n'est pas tapé évident pour nous organiser une formation dans l'espace physique, j'en ai fait auparavant. Et nous avons dit, nous, qui est-ce que nous sommes capables de faire face à ce problème? Est-ce que nous sommes supposés tendre jusqu'à ce qu'il y ait une certaine stabilité ou bien est-ce que nous avons juste by vague? Qui ça a fait? Donc, ça, c'est un gros problème. C'est un problème qui est majeur, c'est un problème qui est superficiel. Et nous avons dit, nous, okay, qui est-ce que nous capables de contourner ce problème? Ça? Et nous avons décidé de faire un peu brainstorming pour nous voir qui solution nous sommes capables de venir avec lui. Éventuellement, ça nous décide de faire, c'est changer format formation. Nous, hein. Au lieu que nous faisons en présentiel, nous décidons de faire en ligne. Donc, nous consulter tout formateur qui travaille avec nous auparavant. Yo, et puis, nous demander est-ce que tu as voulu présenter un segment quelconque et nous avons utilisé tout segment ça, yo, nous avons combiné dans un masterclass côté que nous avons un cours online qui permet. Non seulement nous pas obligé faire formation en présentiel, donc ça résout le problème ça, mais tout la paix de nous atteindre un plus grand public. Parce que là nous t'ai fait formation dans l'espace physique, nous t'ai limité avec quantité de monde qui est capable de suivre formation ça dans l'espace là. Donc c'est ça qui t'ai fait nous limiter à 50 monde par édition. Mais qu'on y a que nous t'ai vienne faire formation online, nous arrivé à atteindre dans moins de 3 mois 3000 jeunes qui arrivaient commencer à suivre quoi. Donc impact nous vient avancer plus grâce à problème ça que nous t'ai joindre mais surtout grâce au fait que nous t'ai décidé et c'est un peu créatif de n'a pas essayer contourner pour le ça. Donc idée c'est ça, c'est gain toujours essayer gain un plan B, un plan C et toujours qu'un esprit créatif pour capable voir qui sont capable contourner problème qui peut le présenter à vous. Et on le pas capable faire c'est toujours dit que un problème c'est vraiment une opportunité. Donc son opportunité qui force au penser en l'autre gens, qui force mettre tout esprit créatif au dehors pour capable peut-être créer un bagage qui très particulier que tu n'as pas même pensé à lui. Donc son attitude moi c'est qui capable peut-être aider nous le n'a créer et puis exécuter projet tout. OK, merci, bien content de passer sur ça parce que tu n'as pas mis accent sur ça donc. L'être ou face avec un problème, c'est pas bad pour faire parce que un problème qui représente, qui a tout représenté une opportunité pour aller nous-mêmes qui devons faire une formation, qui devons gagner environ 50 personnes là-dedans à chaque formation et nous venons pas qu'à faire formation, mais nous pas camper là, nous chercher un autre moyen pour nous toujours réaliser formation et nous penser que moyen ça nous donne une toute une opportunité parce que nous venons atteindre plus que 3000 personnes qui dépassaient de loin, de très loin parce que c'est des monde que nous devons bien par formation. Donc, parce que je ne vois pas plein de ça. Donc, là, on fait un problème, ce n'est pas pas pour faire, mais c'est ouais comment on peut résoudre et jouer une opportunité en deux problèmes. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, Yuseline, est-ce qu'on peut partager avec nous une expérience pour autre chose pour ça? Oui. En fait, moi, j'aime toujours la PVTL. À côté de chaque problème, il y a une solution. Il ne va jamais marcher sans solutionner. Et ma bon, peut-être que je vais continuer mon acte dans le business. Je vais partager l'expérience que j'ai fait dans le business. Mais qui te paraît pour moi un gros problème. L'homme de fait commencer, je vais avoir une lacune en finance. Comment pour me gérer les finances dans le business? Là. Ça fait, et pendant que je suis sur Internet comme ça, et puis moi, l'ambassade américaine avec Tahiti a lancé un programme de formation pour filles. C'est une formation qui est l'Academy Women Entrepreneurs qui en fait c'est Maison Blanche supporte le programme ça et c'est une formation qui est faite dans les Caraïbes là et Amérique du Nord là, pour un paquet de filles déjà qui a lancé ou bien qui déjà dans le business mais qui a une pile lacune
qui par contre comment pour vraiment gérer business yo. Et ça me fait dit OK, pas de problème, m'a pensé m'inscrire, mais c'est en compétition, faut qu'on passe interview etc. Et moi passe interview yo, en fait j'ai tout donné parce que moi te voulais résoudre problème ça dans le business là. Pas voulais, il a toujours dit que pour connaître ce business là camper, faut qu'il dépasse 3 ans. Et m'te voulais connaître depuis sous première année dans que business m'a camper et puis la prêté. Et en fait moi aller moi participer et moi prendre cours pendant à peu près 8 mois. Ça vient me permettre que kounya moi quand gérer finance dans business là. Gen on parle que moi remarqué dans la camper jeune, il a toujours voulu pour pas qu'elle aller rapidement comme ça, mais au pas jamais prendre un petit temps pour yo former yo. C'est important l'offre les contourner un problème, faut qu'on connaisse comment tout qui structure pour mettre en face qui pierre qui roche ou qu'a voyer sous problème là pour qu'on contourner. Ce sont là que nous gagnons bagaille, grand pile bagaille qui caille dans combler là qui nous gagne sur internet là, gagne dans mitan monde qui ensemble avec ou dans société qu'on va vivre là ou bien dans communauté qu'on va lever. En fait ça te fait pour te gérer un bon autre problème te gérer problème ça, mais bon l'autre bagaille me devine faire avec c'est là moi gagne mon à l'étranger qui demande me voyer tableau pour yo qui ton petit gens difficile. En fait premièrement transport là te vinn coûter un gens cher parce que matériel moi yo lourd et tout gagne côté li pour aller en Europe gagne monde qui demande faut moi gagne assurance sou article m'a voyen pour si article t'a perdu pour même t'a joindre l'argent yo faut que yo une entreprise qui porte pour yo mais faut yo paye assurance sur lui et pas gain vraiment entreprise non pas gain droit qui couvrir ça et pas gain entreprise vraiment ici en Haïti qui bon pral bon assurance sur matériel que m'a vendre ça m't'ai fait moi t'ai chercher jwenn galerie l'autre bord moi chercher jwenn moun qui a vendre article haïtien que m'ka voyer tableau en pour yo et puis même m'ka vendre sur site yo et ça t'est venir résoudre un autre problème que moi t'a fait face avec qui était grand. Donc j'aime toujours dire là à côté chaque problème on une solution et solution yo marché avec ressources que gen la caillou et ça pral mettre en place si c'est temps pour perdre du poids apprendre pour contourner le pour faire li. Si c'est on l'autre monde qui dans domaine là ou voulez mettre bon poteau qui pour aider avancer mieux faut qu'on faire li et puis problème yo tout gain risque pour prendre et faut qu'on vraiment prêt pour prendre risque yo pour faire face avec problème. OK, merci Yuseline. Pensez que jusque là objectif nous dans panel ça li a atteint et c'était pour partager des expériences avec des jeunes pour comment pour comporter face à une série de situations. Donc on pense là il y a apprendre en pile surtout dans façon parce que dans projet toujours des problèmes. Donc ça point ça c'est vraiment important pour nous sur panel ça parce que faut que jeunes yo connaissent Jean Yuseline se dit Yuseline un paquet de formules qui très bon là et chaque problème toujours marcher avec une solution. Les jeunes yo kimbe ça dans tête chaque problème toujours marcher avec une solution. Donc n'a pas avancé toujours dans question et une question sur chat là t'a le commencer prendre une question participant yo. Pense que pour nous réaliser projet nous travaille avec une équipe, right? Donc équipe ça nous connaît des fois pour nous là on va partir dans problème qui plus spécifique qu'on gagne et en des équipes yo des divergences d'idées. Parce que nous tous pas toujours d'accord en des équipes à collaborer. Donc là ça comment nous gérer une situation problématique comme ça qui peut être qu'à diviser l'équipe. Comment nous assurer nous que l'équipe a toujours été soudée. Bon, Yuseline, après on va voir ça. Oui, en tout cas moi-même travaille avec deux équipes différentes. Une équipe pour Galpreneur qui chaque monde en fait là où il y a une équipe devant moi mener. Faut vraiment apprendre quel type de leadership ou gain la caillou qui caido gérer équipe là parce que si par contre quel type de leadership qui gain la caillou il pas difficile pour connaître leur face à tel problème façon réagir en fait façon où tu as supposé réagir qui genre ou ca faire li pour ca plus bien pour monde qui en face toi. OK, et
avec quatre moun mwen gen ekip ki gen 8 moun mais c'est 8 tout 8 moun yo c'est moun ki différent yo yo tout pa même engouement yo pou travay la pa même j'ai autre travay yo pa travay nan même rythme yo pa travay en fait projet an pa gen même importance li gen nan yeux ça pour l'autre là ou bien la bien haut la bien bas etc. Moi même ça me fait c'est moun toujours aimé résultat moun toujours applaudi résultat et le n'a pas écrit projet yo nous fin écrit toute étape qui gagne à suivre là et puis nous écrit dans résultat nous ça la porter mais qui plus résultat porter est-ce que n'a fait résultat n'a bien accès kounya pour n'a faire en demande pour nous capacité non gwen pour nous gagner en financement pour nous avancer avec notre projet au pied devant est-ce que résultat la porter en libre aider 5000 moun et n'a aider moun gen yon satisfaction personnel ki vraiment extraordinaire que ou ressenti la kay en tant que sentiment. Donc là nous chita ensemble nous écrit projet yo nous pas jamais accepter que projet yo écrit sans résultat final là. Ki sa nous projection finale ça n'a pas rien qui ça le pas bail. Et leur équipe là nous senti li descend nan même mon les résultats yo parler de ça de résultats yo et quand tu leur commencé parler de résultats yo moun yo content y a senti bien-être là bien avant de arriver donc ça en fait c'est un cours d'apprendre sur psychologie de la négociation qui ont genre bagaille donc on jouer sur l'esprit pour m'apprendre que le résultat a venir mais ça l'a porté pour en plus non seulement la porté le ça pour en plus mais là regarder société on vivre là avec tout problème que nous gagné avec tout problème patriarcat que nous avons fait face chaque jour, tout problème, pas une autonomie, et puis au même moment où est des 20 mois en plus, je viens en autonomie, qu'est-ce que ça va représenter pour vous en tant que personne? Et qu'est-ce que ça va représenter tout? Pour le monde qui n'a pas aucun espoir, comme si pas voulu, senti, c'est pas voulu, senti qu'il n'y a pas de force assez pour continuer à lutter, et qu'est-ce que ça va dire, le ouais, on le monde qui est dans la même situation, ça, suivez-vous, suivre méthode ouin et puis y arriver en fait moi-même c'est façon ça moi supporter équipe moi et pour payer ça sont l'autre pareil parce que ça sont des gens plus difficiles parce que c'est moins qui chita qui a grand moins yo pour venir faire ça moins vléa donc quand des gens plus difficiles là qu'on y a c'est montrer moins yo non seulement ça ils sont bagaille personnel mais ils sont bagaille nous toutes. Parce que là, on est arrivé devant le tableau 1, la première question qu'on a posée, je disais, c'est au chita qui coûte tout le tableau, ça y est. On dit que si j'ai encore de 20 tableaux pour moi, moi, pour ne pas qu'à bas, j'ai 20 tableaux pour moi. Mais 20 tableaux pour moi, c'est nos 5 qui font. En fait, c'est ça, moi-même, pour l'équipe, là, c'est toujours, comme j'aime dire, c'est tout doux, work done. Et là, nous, il y a une partie de là, le tout doux, après le but commun, on montre que là, nous, il y a une partie de là, qui j'en sais à pied. Ok, premièrement, c'est plus une approche de résultat pour montrer mon yo, les yo mettent ensemble, mais tout ça au café. Et parce que le résultat toujours pour tes satisfactions. Donc, tout ce que tout le monde est satisfait, tout le monde est content et tout le monde est prêt pour continuer à collaborer ensemble. Et vraiment, il y a un participant qui mettait accent sur la psychologie de la négociation parce que c'est important. Pour nous faire des recherches sur ça, parce que c'est très important. L'on négocie avec nous, toujours une partie ça. Donc, il faut comprendre comment, quelle technique pour utiliser pour toujours qu'il y ait des gens en de l'équipe, pour souder, pour toujours qu'il y ait des gens ensemble, pour collaborer, et pour toujours être productif. Vertil, comment adresser un problème comme ça, vu que déjà, ou même qui n'en push, comment on fait pour avec les études, parce que toujours à gérer une série de bagages n'en push, comment on fait, comment gérer tout ça? Très bien. Donc, premièrement, le que gagne des conflits quelconques, ça que moi viens apprendre, c'est que chaque monde remet fait, chaque monde remet senti que ou comprenne qui souci que ou gagne, peut aimer que autant de yo. Donc moi c'est que première approche là c'est assurer que ou passer un peu de temps avec chaque monde qui imbu dans discussion pour assurer que vraiment tant de monde ça et qu'on comprenne point de vue. Parce que chaque monde a besoin de validation, ça. Son bail personnel que chaque monde gagne comme humain. Donc, assurez-vous que
ou prend tout le temps que vous avez besoin, que c'est 5 minutes, que c'est 10 minutes, ou peut-être même une heure de temps, dépendamment du niveau problème là, pour faire mon ça comprendre, effectivement, mon temps d'eau, et me comprendre qui ça que point de vue prononcé. Donc, ça va être extrêmement important. Ensuite, je pense que Jean-Yuslin suggère, c'est vraiment focus sur qui ça ouvre les résultats finaux là. Et d'après résultat final ça, garder qui ressources qu'on gagne, qui contraintes qu'on gagne et tout. Donc, contraintes que c'est temps, que c'est situation sociopolitique paysan, que c'est accès avec financement qu'on gagne. Donc, dis-moi ça que nous gagnons sur table là, mais qui objectif final nous. Donc, d'après ça que nous gagnons et ça que nous voulons atteindre, et moi, je dis ça au dîner, oui, mais est-ce que vous pensez que ce sont des choses que nous sommes capables vraiment accomplir? Donc, type de conversation, ça, yo, généralement, vous arrivez à atteindre un compromis avec toute partie qui est dans la conversation, parce que ou non seulement créez une situation côté que devine plus réaliste, tout le monde vraiment comprend qui ça contient, mais en même temps, tout vous faites mon senti que c'est important, vous faites mon senti que vous tendez ça souci que l'été gagnant. Donc, son aspect qui est assez pratique que moi essayé d'exercer et que je trouve qui est aidé mon tout le que m'a implémenté projet. Bon, bah, c'est si ça aide, la pédé l'autre jeune YouTube, la pédé l'autre participant, résoudre quelques problèmes qui sont capables surgir dans l'équipe côté qui a fonctionné. Donc, c'est plus on chita parler. Parce que nous, tous ces mondes, dans le dialogue, bah, c'est nous tous avons une série de. N'a pas entendu si nous chita parler. OK, donc nous toujours approcher dans après approche problème yo et nous va arriver dans un problème qui est vraiment très très important, c'est problème l'argent. En pile fois là pas qu'à jouer une corde craser en série de projets. Et monsieur que c'est vrai nous vivons loin avec projet nous mais ça va toujours facile pour des jeunes corps. Donc un jeune qui a un bel projet qu'il veut réaliser mais pas qu'à jouer une corde pour réaliser. Qui conseille nous d'abord jeune ça ou bien partager avec eux une expérience personnelle, côté que nous pas de corps, mais qui ça nous a fait, nous avons toujours fait des initiatives, nous avons des projets, nous avons envie. Donc, on va commencer avec ça. Pas de problème. Donc, oui. Donc, dans la situation, ça, au côté que vous avez contre une ressource. Donc, ça que je vais recommander, c'est commencer quand même. Si vous avez moyen pour commencer, commencez, même si c'est petit. Parce que si vous chitez à attendre, ou il n'y a pas jamais un moment où penser qu'à proposer tout bon. Donc, c'est commencer. Mais il faut y a malgré au fait le petit, fait le bien. Donc, c'est l'aspect ça qui est important. Donc, par exemple, avec la première édition que nous avons fait pour Pouchelin, l'objectif, nous, c'était former 150 jeunes. Okay? Donc, nous avons un objectif qui est assez grandiose. Nous avons former 150 jeunes. Nous avons créé un gros salon de l'emploi côté nous avons invité près de plus de 30 compagnies viennent parler avec jeunes. Donc, c'est ça l'objectif que nous avons. Mais, pendant que nous avons essayé d'implémenter le projet, ça, surtout parce que la première fois que nous avons fait, vraiment pas de aucun monde qui était pour faire nous confiance, et pas de connaître si nous sommes vraiment capables de faire des résultats, nous n'avons pas joindre tout le financement que nous avons souhaité joindre. Donc éventuellement, nous dit, OK, bon, nous ne pouvons pas faire 150, on focus sur 30. Donc nous disons, nous pouvons former 30 personnes plutôt. Et au lieu que nous invitions 30 compagnies viennent parler avec jeunes ça, nous avons invité une dizaine. Donc nous réduisons scope que nous t'évelé pour projet. Donc, il devine essentiellement divisé en cinq. Au moins, il a regardé les chiffres jeunes que nous t'évelé former. Mais malgré le petit, nous t'es quand même fait un bagage qui est bon. Donc, nous, les jeunes, nous avons une bonne formation et nous t'es gagné un bon suivi tout ce qui t'es fait avec eux parce que t'es seulement 30, il devine plus facile pour nous travailler avec chaque grain d'eau, leur formation finie pour nous essayer de placer dans un stage, emploi, etc. Et puis à partir de là, nous venons de joindre de très, très bons résultats. Donc pour la première édition, nous avons placé près de 70% de jeunes que nous avons formés. Et qu'on est avec un chiffre quelconque, bien que c'est 70% de 30, parce que quand même, si on a un bon résultat, ça te vient de nous créer de crédibilité que nous avons besoin pour nous faire une deuxième édition. Qu'on est dans la deuxième édition, nous venons de former 50 jeunes. Et là, ça, nous avons venu créer un salon de l'emploi avec une vingtaine de compagnies. Qu'on est à la deuxième édition, les bienfaits, nous allons pour un troisième. Troisième non fini, nous allons pour un quatrième côté que nous faisons formation online. Donc, l'idée, c'est ça. C'est pas quitter ressources complètement limitées,
Enfin, pas, je ne veux pas quitter accès avec les ressources, ça, limite complètement, mais dites-toi tout ce qu'ils sont capables de faire pour commencer petit. Mais qu'il y a bien en tête que faut, quel que soit ce qu'on fait, ou faire bien, parce que une fois commencé, ou commencer à créer réputation tout. Et on a toujours prêté attention avec qui sa réputation y est, qui sa image y est, parce que éventuellement, je prends la société tu as avoir, et pas de monde qui veut la société tu as avec un projet qui pas pour tes résultats. Effectivement, donc, ça, je nous dois comprendre que l'argent pas lui empêcher d'avancer. Il y a tout qui a besoin en montant pour réaliser le projet que vous avez, mais vous capable peut-être réduire nos objectifs, réduire l'ampleur ou développer l'initiative ou en plan, mais pour commencer quand même. L'objectif là, ce n'est pas accompli, c'est commencer quand même. Donc, Yuseline, partagez avec nous, Yuseline qui est un paquet d'initiatives, qui a des jeunes femmes, Yuseline qui. Bon, parlez avec nous, Yuseline. Et pour quel preneur, je n'ai pas besoin de rien. Oui, j'ai juste besoin de mon là, et tant que ça me dit, partager, ça me dit pour me partager. Et j'ai besoin d'espace, mais comme des noms, espace que je peux utiliser, donc je vais utiliser espace là. Mais ça qui vient de différent pour payer design, que j'ai besoin d'argent pour lui, et je n'ai pas de gain comme. Je n'ai pas de travail tout le moment. Pas de l'argent du tout. En fait, on commence là avec 1500 gouttes. 1500 gouttes. Et dans moins que 6 mois, je vais dire triplé, même quoi triplé, je vais vraiment dépasser 1500 gouttes grandement. Et je pas de ressources, même de vieux ici qui ont vécu dans l'arrière, qui ont vécu dans le monde. Mais ils ont mis pour me dire, si vous êtes zoyé là, vous n'avez pas besoin de vous pour me rendre là. Ou pas utiliser encore qui chire pas jeter le voyer le bon main même des gon dépôt la caille parce que papa me fait tableau ça dans le temps qui te gain bois moi même mal prend bois me couper yo m'utiliser morceau bois yo m'utiliser morceau tissu yo donc 1500 gouttes ça te permet moi acheter l'autre matériel tant pour fil tant pour aiguille tant pour paillettes que me t'a pas besoin pour me défaire et première fois me poster tableau moi tout venir. Premier tableau me fait am poster li tout vendre et puis me tout gain de l'autre commande tout de suite après. Donc si me tape ton cop parce que elle m'était écrit là m'était vraiment besoin que le cop m'était commencer faut me gain local la pensée faut me gain local faut me gain mon qui peut aider faut me gain gros stock marchandise même pas de gain stock marchandise m'était juste gain matériel pour me faire un grand tableau. Me juste commencer avec ça. En pile fois, nous-mêmes, nous avons tendance, là, nous avons commencé à faire des millions pour nous faire, et ça vient de faire que nous tellement pris en temps en route, nous finalement bal vague. Mais millions, aucun des millions, et puis ou utiliser les puis tout faire, et tout disparaître dans le monde. Tout disparaître. Et ça, c'était une plus belle expérience que j'ai fait pour me connaître. En fait, je connais, je n'ai commencé sans rien, mais vivre, c'est un autre bagage qui est différent. L'autre bagage que moi t'ai fait encore parce que me connais avant de ça faut me kembe 6 mois vrai l'autre bagage que moi t'ai fait me participer dans concours qui résultat finaliste c'est subvention yo concours ça yo gagne en pile sur internet là yo et international yo ouvert pour monde qui dans Caraïbes et national donc moi participer dans deux concours et moi connais faut me participer dans concours ça yo faut me te gagner ça ou ta pral bail là parce que faut me te ouvrir un local c'était bum pour me participer dans concours là et moi l'ancien moi fait tout possible moi fait moi mettre tout ça me gagner dehors moi participer dans concours yo moi gagner concours yo et connait moi gagner un atelier et ça prend 2 ans moi gagner un atelier moi gagner employé donc moi gagner employé l'argent que me pas gagner hein que me pas café personnellement moi gagne par rapport avec l'autre programme qu'il a pour supporter les jeunes entrepreneurs qui travaillent en Haïti. OK, donc ça pour jeunes comprendre par rapport avec problème ça c'est que il pas toujours facile pour leur commencer on est toujours dans paquet comme et vous tout faire tout ça besoin pour tout révéler. Non, son processus qui est long mais des fois travailler au fur et à mesure arriver quand même. Parce que, bon, vous avez partagé témoignage avec nous là,
Et c'est après 2 ans, juste après 2 ans, il réussit mon atelier pour le travail normalement. Alors, que j'ai commencé avec combien de 1 500 gouttes. Donc, pas tant que vous avez en pile, c'est commencer à poser action. Parce que tant que vous attendez, tant, et puis tant passer sous, pas jamais réaliser. Donc, pour éviter ça, c'est commencer le travail. Établir le plan, mettez l'équipe pour cela, mettez l'équipe sous pied, et puis pour être capable d'avancer, même si vous n'avez pas l'argent. Donc, l'argent est venu. Donc, tu commences le travail par temps. OK, donc merci pour tout ça nous partager ce panel-là. Bon, même moi, je m'apprends tout. Parce que nous là pour nous apprendre, pour nous échanger, m'apprendre un pile tout. Et des projets qui ont commencé à écrire là, pour commencer à frapper avec vous. Et parce que question parmi vous presque fini. Je vais seulement on a une question pour nous. Et après ça, nous allons commencer à collecter questions de tous participants qui sont live vidéo, sur Facebook. Et qui nous zoom, nan, qui nous groupe WhatsApp, nous allons dans toutes questions ça. Et puis nous allons commencer à poser questions ça pour participer. Et dernière question, je pense que c'est important pile, parce que dans le pays d'Haïti, il y a un paquet de difficultés qui sont capables de faire un jeune abandonner. Ça clé, il y a un paquet de jeunes qui commencent, mais qui viennent décourager. Mais nous-mêmes, jusque-là, malgré toutes difficultés, nous là, nous n'avons pas avancé. Donc, qu'est-ce que ça nous fait pour nous être motivés? Malgré toute situation ça ou toute situation difficile que nous avons confrontée en Haïti surtout. Bon, Yoseline, on va commencer. Pour rester motivé, n'est pas toujours facile. Il y a des moments où on pense que je suis fou. Il y a des moments où on pense que je suis parti. Il y a des moments où on dit, OK, comme je n'ai rien pour me faire encore, je vais juste fermer toute bagaille. Et puis, m'apprêter dans moi-même, rester tout doucement dans le coin, tant ça qui vient pour faire l'enfer. Parce que je suis pour qui ça, comme si pour qui ça, je décide de prendre tout choc, ça, tout bagaille qui fait me dépressif, ça, tout. Parce que moi, je souffrir insomniaque pendant presque un mois, presque 3 mois, à cause des situations que nous vivons dans le pays. Hein, et j'ai un business dans le public. Donc, lorsque tu es responsable en entreprise ou bien ou responsable de quelque soit en organisation quelconque, non seulement ou sous compte, faut ou sous compte, mais l'autre monde sous compte. Côté ou l'autre monde qui n'est pas responsable, il y a un seul monde qui a gardé, ou même il y a 10 000 monde qui a gardé. Et 10 000 monde, ça y a puisé dans l'énergie pour que vous gagnez, que des fois, qui pas même suffit pour vous, mais vous obligez la constante pour partager l'énergie ensemble avec vous. Et rester motivé n'est pas toujours facile, même toujours, dites-moi, comme ou j'ai une raison, ou j'ai une mission, parce que faut que je cherche une mission, faut me dire ça, faut que je cherche une mission me gagne sous terre, qui mission me gagne dans la communauté, pour me toujours goûter et poursuivre le rêve ça que me gagne. OK? Et moi toujours écrit, parce que j'ai toujours bon carnet qui accompagne. Là, je me sens pas capable encore de prendre un carnet à m'écrire pour que ça me décide de faire ou ça. Et c'est une bagaille qui permet de me rester motivée. On l'autre bagaille tout me fait, je suis histoire moun qui passe des difficultés qui plus mal que moi, mais qui campait, qui gagne prix Nobel même. Et oui, en fait, c'est ça. Donc, on ne va pas dire donc, que nous allons rester motivés, net aller, net aller, net aller. Ça n'a pas existé dans aucun pays, dans aucun monde, pourquoi j'en fais ça. Mais par contre, il faut que je en raison. Pour que ça, vous voulez être motivé. Pour que ça, vous voulez commencer et pour que ça, vous voulez finir. Et même le finir, pour que ça, vous voulez recommencer un autre qui est bon. Ok, et bon, parce que tout le monde compte ça, pas seulement en Haïti, un peu partout, tout entrepreneur, tout le monde qui a fait des initiatives, nous toujours, ils font un moment nous décourager parce que par contre, quelqu'un qui a été motivé à 100%. Il est important pour toujours garder objectif ou manger. Pour qui ça, ou t'es choisi mener telle activité, pour qui ça, ou t'es choisi mener tel projet. Afin que leur sortie pour décourager, ou capable de songer raison ça et ou capable d'être boussolou pour être motivé et continuer à avancer vers l'avant. Merci un peu pour tout ce partagé avec nous et notre intervention fertile. Oui, donc, moi, pas rien trop pour m'ajouter parce que je vraiment aimé réponse Justine. Donc, pour moi, moi, j'ai 3 points. Donc, premièrement, c'est essentiellement exactement ça, Justine dit, c'est songer qui ça objectif là, songer qui ça mission là. Donc, avant même que vous arriviez là,
toujours dit tout, mais pour qui ça m'a engagé dans une initiative quelconque, mais qui ça qui est important pour moi, mais pour qui ça me voulait faire. Et toujours qu'il y ait sa perspective. Ça, c'est le premier bagage là. Ensuite, deuxième là, pour moi, parce que je suis un monde qui vraiment aime mes chiffres, toujours garder l'impact ça que moi déjà fait. Donc, son bagage qui donne une motivation. L'homme capable de garder, me dit, OK, moi, je vais aider telle quantité de monde, joindre accès avec une opportunité quelconque, ça donne une pile motivation. Mais qu'on y a un troisième point, c'est aller plus loin que chiffre sérieux, transformer chiffre sérieux en histoire. Donc, essayer de zoomer un peu et puis dire, OK, dans chiffre sérieux, c'est peut-être, on dit, il y a 50 jeunes qui vivent un stage avec push. Bon, mais essayer de comprendre l'histoire de jeunes sérieux plus bien. Qui background, le côté où sorti, qui effort que vous avez fait pour arriver, qui vous avez fait. Qui ça que support que moi-même, qui ça que t'es aidé ou vraiment accompli? Qui ça que a fait Kounia? Est-ce que vous grandi? Est-ce que vous évolué? Qui Jean jeune ça relé? Qui ça l'a fait Kounia? Qui ça que le gain perspective? Donc Kounia l'homme songe histoire ça yo que me capable associer chiffre réussite moi avec des histoires personnelles, ça bon plus motivation toujours. Donc essentiellement pour me résumer ces trois bagages, c'est songe mission, garder impact là et puis transformer pas ça en histoire. Et ça, bon, pile motivation pour continuer à avancer. Ok. Je pense que la question, ça a toujours une toute importance dans le cadre panel, ça qui a fait le programme d'idéato communautaire. Dans le programme, ça qui a fait dans le Grand Nord et dans 9 communes différentes. Donc, il y a une équipe gagnante dans chaque commune, en tout, il y a 9 communes. Jusque-là, participants ont déjà soumis des projets qui sont plus que 80. OK, donc dans tout projet ça c'est seulement 9 que n'a capable qu'aider bon j'ai incubé et y a pas un support financier et un support technique pour capable atterrir projet ça. Mais le fait que pour un projet ou pas fini parmi 9 gagnants ça, donc groupe jeune ça pas penser que le projet là pas bon et pas penser tout c'est une raison pour tous mes projets ça. Non, au contraire, faut toujours continuer à améliorer projet et sous réaliser avec ou sans support bange, c'est encore mieux. Il laisse aller mon noir faire effort. Donc, les gens, ils veulent aider ou tout. Donc, ce concernant pour les jeunes, c'est que si toutefois, on pas fini par 9 équipes finalistes que bange apprend, ça va pas dire que les jeunes n'ont pas bon et c'est pas une raison pour suspendre avancer. OK? Donc, on pense là, c'est fin première partie de question. Côté que c'est moi-même qui t'a partagé avec, c'est moi-même qui t'a poser nos questions pour nous partager avec participants. Kounia, nous voilà font un coup de jeu dans le chat là pour nous garder qui préoccupation participants. Qui ça, Yota Arimé Kouni? Première question que nous avons adressée, je pense que c'est plus pour Yoslin. Et là que nous avons parlé de impact social, nous avons parlé de indicateurs. Bon intervenant, qui t'a Arimé Kouni, en fait, question ça sorti directement sur Twitter. Bon participant, qui t'a Arimé Kouni, qui ça qui est indicateur non même qui ça un indicateur non vert-il si vous voulez ou capable d'ajouter un bagage et tout. OK, on va parler d'impact social et puis me dit indicateur. En fait, faut me dit impact social là c'est impact sur à réaliser gagner sur société ou bien communauté ou à vivre là. Qui impact qui ça le porter en plus dans société. Indicateur c'est point clé qui mène projet là vraiment arriver abouti dans société pour faire impact que va faire. Ma prend exemple pour me plus clair, si avec m'a parlé prendre des expériences moi et m'a commencé avec girlpreneur. Impact indicateur qui mène nous font impact, ça veut dire qui fait nous arriver côté pour nous pour sortir avec mesdames yo former en entrepreneuriat, montrer yo parler au plus de autonomisation qui ont monde ta gagner et parler de gens pour faire business, comment pour légaliser business là, qui genre pour sortir dans étape informelle pour traverser dans informel, étape qui mène nous arriver joindre résultat jusqu'à ce que yo aller légaliser business, c'est indicateur qui mène nous vers là, comme si c'est point clé, point fort qui gagner pour nous suivre chaque partie ça yo qui va mener vers résultat et résultat qui ont impact social dans société, dans communauté. Vertil, est-ce que vous pouvez ajouter sur la question indicateur? Non, c'est qui ça lié, comment on peut utiliser l'un des projets?
Moi, c'est que Yusine expliquait très bien. Peut-être que le seul simple qu'à ajouter, c'est peut-être mettre plus en face ce que tu as dit auparavant, c'est que l'indicateur, ça, c'est le bail que tu as supposé, qui est même avant ou implémenter le projet. Ou que, parce que sinon, on est capable presque piéger tout et on va essayer de justifier pour la suite, mais qui indicateur te suivre. Et là, ça n'est pas vraiment. Bonne chance, gain, même niveau impact que tu es capable de gagner. Hein. Donc, par exemple, j'aime t'expliquer nous avant, pour push, nous t'ai dit, nous t'avons essayé de recruter les jeunes qui passent sur formation, nous t'ai voulu à ce que nous gagnions équité de gens. Donc, 50% filles, 50% garçons. Et son barrière que, parce que nous t'ai gagné objectif ça, même avant nous commencer à implémenter le projet, nous commençons à recruter et que nous n'avons pas gagné un pile filles qui commencent à appliquer, ça fait nous redoubler l'effort dans recruter filles. Donc, si nous t'étonnons que c'est après nous t'ai fini recevoir l'application et que c'est là ça nous t'ai fini déterminer l'indicateur ça. Yo. Donc, nous tapons une situation où nous t'avons fini coincé parce que nous t'avons obligé de travailler avec quantité de monde qui t'est appliqué, hein, qui était majoritairement garçon, et le ça nous t'avons fini limité. Et d'un petit tout, impact, nous avons pris un indicateur de pour des mini-projets en long projet. Nous avons apparaître sous forme ça. OK. Et il y a une autre question basée qui est assez intéressante que on participe à poser. Il m'a dit, est-ce que, en fait, comment on est capable de déterminer le type de leadership? Oh, en fait, gen, sou internet lan gen plusieurs kote mika jen pou ka fè test lan pou determine ki tip de leadership yo gen la kayo. Men, mwen ta di fò, mwen nan premèman konen ki es liye tou. Tou si wap dirije yon ekip, lò sou gen pil presyon kon moun dirije, lò gen presyon ki yon ti jan pi minim kon moun dirije li, lò fase avèk konflik ki enòm yo ki jan fè fans avèk li, koman ou kompren moun ki nan entouraj yo, koman ou kompren moun ki bokoto, koman ou kompren moun ki lakay yo, ki pwen fò, ki pwen feb ki lakay yo. Sa pale do determine ki tip de leadership yo gen. Ou ka monte sou Google, ou ka tape test de leadership, e pi ou anjoun de test ki ou ka fè, ki pral edo kompren ki tip de leadership yo gen lakay yo. Men, edo kompren ni anseyon, se meto tou fas a de situasyon, petèt ki se nan l'eglise ou bien nan kominote ou bien nan goup moun, ou fok ou fè eksperyans lan vreman pou determine fas avèk tel situasyon, jom reajyan, sa va l'fèk ke, men ki tip de leadership ki devlopi la karmen plus. Ok, est-ce que ma connaissance, second point à ajouter sur ça? Donc, je n'ai tout bagaille là, tout bagaille sur Internet, là, c'est juste chercher où et agrandir connaissance. En effet, mais je voulais mettre en phase sous aspect pratique là, que Yuslin fait souligner. Hein. Parce que soit elle fait un test sur Internet, en pile la question ça, c'est vraiment hypothèse que vous avez. Ouais. Donc, seul je crois vraiment qu'on nécessite de pratiquer. Donc, chaque fois, j'ai une opportunité pour capable prendre position leadership, essayer sauter sous lit, parce que c'est ça qui a vraiment aidé à déterminer qui ont réagi face à quelle situation. Et puis, essayer de comprendre tout qui ça. Valeur, qui est important pour vous, qui ont motivé le monde, etc. Et au fur et à mesure, vous essayez de comprendre tout bien et pour commencer à remarquer dans différentes situations qui ont réagi, ça permet de déterminer le style leadership pour plus facile. Donc, aspect pratique est extrêmement important. C'est surtout chercher qu'on est, non seulement pour les théories, et surtout pratiquer. Ça marche ensemble, théorie et pratique. Donc, on va participants à une réponse à la question-là. Et il y a une autre question encore qui est assez intéressante. Comment tu m'as dit, quelle différence nous fait un projet communautaire avec monter un business? Donc, pour moi, en fait, moi, vraiment, j'ai monté pour Business Pam. Donc, peut-être que Yusli m'a quitté ma réponse pour la plus élaborée. Hein. Mais ça me capable, peut-être, offrir, c'est que l'on a fait un projet communautaire, gens qui ont incentivé les gens, généralement différent de gens qui ont incentivé les gens qui ont créé un business, surtout si on parle vraiment d'une rémunération quelconque. Donc, c'est pour ça que je me suis souligné le fait que c'est extrêmement important de travailler sur un projet communautaire pour assurer que chaque monde ait un sentiment d'appartenance dans son affaire. Parce que si on n'est pas capable de payer les gens, il faut que les gens aient une satisfaction. Pas les gens qui ont jamais fait un bagage pour quelconque, complètement gratis. OK? Donc, il faut
faut que les jeunes ont bénéfice quelconque, que c'est le fait que au bali un peu visibilité sur les réseaux sociaux, que c'est le fait que au bali on sentiment que les contribuer avec progrès communautaire, quel que soit sa lien, faut que jeunes gens pour motiver. Et le ou pas vraiment gain l'argent, les nettement plus difficile pour motiver mon nan fait partie de projet communautaire. Donc, Yuslima, qui doit ajouter plus sur l'aspect ça? Oui, mais m'a fini avec ça. Alors, on commence avec Jean-Jean qui a fini. Le pas gain l'argent, les plus difficile pour dans la situation que nous vivons là, nous avons une économie qui vraiment en baisse. Et nous avons plus fort monde pour travailler dans le pays. Donc, imaginez comment ça va aller si nous venons participer dans un projet communautaire ensemble avec vous. Et le projet communautaire, c'est un projet qui vise développement, que ce soit développement économique, que ce soit développement environnemental ou bien développement politique en société. Donc, tout ça qui a gagné dans le projet communautaire, dans ce projet-là, les viser pour agrandir en façon ou en l'autre, il y a un point sérieux que nous citons là dans la communauté. Business la même, il y a un business tout qui c'est business social, il y a résoudre problème social, mais c'est business lié. Mais si n'a pas eu un business personnel là c'est satisfaction première, monde qui peut satisfaire de rendement business là c'est propriétaire business là. Donc, peut-être que au cas résoudre un problème, tant on dit que mon business y a vendement bas et moi dit que problème à résoudre là c'est que m'a pral travail dans transformation pistache. On fait en bas, peut-être que m'ta font l'huile avec pistache là, etc. Et problème que moi résoudre là dedans c'est que moins vendre monde dans société en bas qui pas bail au bouton, qui pas gain en pelle qui etc. Ma connaît ce que nous avons décidé de faire pour le business là dans type en bas living grand impact social parce que mon dans communauté là pas à acheter en bas qui sorti à l'étranger ça veut dire comme la rester dans monde ou utiliser avec les comme la rentrer dans monde ou payer l'école petite avec ou payer l'école pas ou utiliser dans communauté hein. Ça sont l'autre aspect social qui entre dans business personnel là mais business personnel là avant tout il viser satisfaction monde qui créer business là. OK, et merci pour tout bon point ça que ou avancer avec vous. Et une autre question qui est très importante parce que nous toutes là nous gain ça dans projet que nous entreprenons. Question dit là on parler de valeurs que nous portons dans un projet. De qui ça vous voulez parler? Valeurs. Moi-même, m'a toujours parlé d'expérience, oui. Valeur que moi porter l'homme fin compte mission moi gagné et m'attacher ma mission me faire aller avec tout domaine d'études moi connia yo aller avec mission que moi gagné yo valeur moi porter na premièrement na business personnel moi valeur moi porter la dernière c'est moi remè kilti a moi remè pays moi remè kilti national là et puis force m'a servi la quand moi c'est bagay local li. Donc moi attaché valeur personnellement à business là moi vendre bagay qui fait en Haïti pour girlpreneur aider monde c'était toujours un bagay que moi m'ai fait. OK mais l'homme définit identifier que sur internet là tout monde a écrit m'a dit OK moi fait tel business n'ai pas l'idée même par contre comment pour me faire qui ça me ca faire pour me gagne monde qui achète même qui ça me ca faire pour un bon logo etc. Moi j'ai une satisfaction personnelle, moi j'ai senti bien le venir dans monde et moi ouais ça pour des résultats. Et ça on partie dans mission là résoudre dans ça devenir ici bas. Ça c'est deux valeurs personnelles que moi porter dans deux activités que m'a fait prendre. Et donc pour moi, j'ai que moi défini valeur, c'est qui ça qui est important pour moi. Donc là on regarde push par exemple. Donc pour moi à la base, c'était important pour que nous ayons un aspect, nous ayons un impact qui vraiment crée une différence là quand je suis jeune. Parce que là, j'ai commencé avec Push, moi-même, tout le monde était dans la dernière année d'université. Mais j'ai eu une chance d'aller dans l'université pour que j'ai eu un support pour aider avec insertion professionnelle sur le marché du travail. Mais j'ai eu au courant du fait que la majorité des universités en Haïti n'ont pas vraiment offert ce type de service. Donc, c'était important pour moi pour que
créer une initiative qui t'a fait une différence concrète, que nous capable de dire, OK, mais un impact qui est assez significatif que nous t'ai porté dans la communauté. Donc, ça, c'est le premier bagage. Ensuite, on l'a déjà comme défini valeur, c'est qui ça qui définit, donc qui ça qui c'est réputation. Donc, le matin, avec nos équipes, moi, je voulais que je associe le nom avec un monde qui est capable de porter des résultats, un monde qui est capable d'accomplir. Donc, l'homme travaille son projet ou une initiative quelconque, nous avons des valeurs en considération. Donc, pas question que je travaille son projet et que il est évident que je ne m'en pas mettre tout et forme, que je ne pas mettre tout moi-même. Donc, essentiellement, c'est ça. C'est qui ça qui est important pour moi d'abord et qui ça qui définit, qui c'est réputation. Donc, c'est ça qui valeur et c'est ça que je porte dans mon projet de ma PC et contribuer là-dedans. Ok, et donc en termes de valeur, je veux dire, parce que nous capables de marquer tout ça qui dit là, il faut qu'on ait qui m'ont noué en soi, qui m'ont noué et qui sont voulés faire dans la communauté, en soi, qui m'ont reconnu, donc on sait qui sont voulés, qui changent, qui voulaient porter, comment on voulait nous voir et comment on voulait nous penser par rapport à votre projet. Donc tout ça, ce sont des questions que nous capables de poser d'être nous et répondre avec vous pour nous joindre qui valeur que nous gagnons. Et vous avez ajouté un bagage, Justine? Parler juste en bagaille et bon technique que m'étais employé, c'était trois questions: pour qui ça me voulait faire li, à qui ça, qui est ça pour l'utile, le fin faire li, et que je m'absente après. C'était trois questions ça me m'étais mettre en fait, c'était technique ça m'étais employé pour moi m'devine joindre valeur moi et qui mission de gain pour m'y accomplir. Ok, ok. Bon, Vertine, je m'en comment à faire, juste une technique sous technique, oui là. En fait, moi-même, c'est une petite expérience que je peux vivre vive expérience grandement. Okay. Et ça fait que j'ai toute technique ça moi-même. Ok, il y a une question rapide, pour, c'est pour Yuslin directement. Alors, il y a Saint-Cyrus Benji qui t'a mis connaît. Il dit que si toutefois, il y a des amis filles, si toutefois, vous avez mis sur une formation sur l'entrepreneuriat, comment vous êtes capable de faire et vous portez au prince? Ok, Lika écrit sur page Girlpreneur Haïti, Haïti en créole, ou bien l'écrit directement sur Facebook ou bien sur Instagram, Yuslin Vital, et puis m'a fait suivre ensemble avec lui. Ok, et bon, parce que nous presque finir avec cette séance question. Et une dernière question qui plutôt plus personnelle, qui lie avec l'expérience directement. Alors, si on sait l'histoire que nous sommes capables de raconter, qui a témoigné l'impact social nous fait directement à, par rapport avec le projet nous, c'est qui ça le tapis? Bon, il y a un exemple qui est plutôt très concret. Ok. Et je commence à mal parler pour le business. Je me suis dit, la première fois, je fais un tableau et puis je poste sur StatTeam. Et puis, mon ami qui écrit, il dit, mais qui a fait le tableau? Ça, papa, toujours continuer à faire le tableau? Il dit, non, c'est moi qui fais. Il dit, oh, qu'on fait pour pas jamais faire rien du tout pendant tout le temps ça. Mais peut-être que j'ai 16 ans, pas jamais manger un tableau. Et puis, il me dit, oui, mais ça a 20 ans depuis qu'on fait. Ça va quand même qu'on fait depuis 22 ans. Et puis, il dit, OK, il poste le tout. Et puis, en colombien écrit, il dit, OK, j'ai besoin d'un haïtien qui peut faire tel tableau pour moi, mais comme ça. Zan yon nan ekri mwen, li di m sa, e pi m di, ok, ma fel pou li, ma bali nan 8 jou. Mwen fel, men li pat isit, e pi mwen pote l'ambassade Argentine pou li, le mwen rive mwen jen diskomad. Oh. Sa, se te vremen, vremen, yon nan pi bel eksperyans ke m pe fe, e avek diskomad lan, m bat ka fe tout, mwen jen apren de lot moun pou la kay mwen, ki te toujou vin la kay lan, ki te toujou vin bay blag, e pi m di, kon sa pase, mal ben un job. Et puis me chita m'apprend yo li de deux mois ça juste qu'on a travaillé dans atelier hein. Yo chita yo fait nous fait 10 tableaux et nous joignent 10 commandes. Wow. C'était vraiment une très belle expérience que me fait et ça te fait que après une semaine le fin poste ton tableau me deux employés. C'est bon, je sais bien les mal mal chita ba blague en plus peut-être ma jeune job tout. c'est vraiment intéressant et au même vertu une histoire qui prend beaucoup par au même à expérience ou qui a montré l'impact social que le projet a gagné. Un problème. Donc on va parler de notre histoire qui est pas vraiment relatée avec Push pour nous donner une autre perspective.
Donc, moi, j'ai eu une chance d'aller à l'université qui est Notre-Dame, qui est dans Indiana, aux États-Unis. Et dans la première année de l'université, ça, moi, j'ai vite pris en compte le fait que ce n'est pas facile pour un pile dans un mime qui était l'école en Haïti, appliquer dans l'université américaine pour jouer une bourse pour être capable d'atteindre l'université ça et tout. Donc, moi, j'ai décidé, comme moi-même, j'ai fait expérience là, moi, j'ai compris qui ça. Ça t'a demandé pour appliquer dans l'université ça yo. On t'a écrit une sorte de guide. Donc un guide qui capable aider moun comprendre étape par étape qui sont doit faire leur PC enrouler dans l'université américaine quelconque. Et dans été après première année dans l'université hein? Donc moi t'ai venir passer vacances en Haïti et m'étais passé visiter l'école côté communauté hein? L'école secondaire en Haïti hein? Faire quelques présentations pour capable inciter les jeunes à appliquer plus. Parce que moi, je dis essentiellement, si que moi, je suis capable de faire tout, donc je suis capable de faire tout, et je suis capable de faire support. Et quand je suis tourné dans l'université, dans la deuxième année, donc moi, je parle avec essentiellement la communauté qui en charge d'admission, et je explique que moi, je suis haïtien. Moi, j'ai accès avec un pile jeune qui est vraiment brillant, qui t'a aimé. Peut-être que j'ai même opportunité avec moi, mais j'ai des problèmes financiers. Et je dis, OK, pas un problème. Si je suis capable, effectivement, de jouer quelques jeunes qui ont de bons résultats académiques, nous pas un problème dans le bio des boosts presque complets. Et effectivement, donc, moi, je tourne dans le réseau et je parle d'opportunités concrètes. Et à date, on a environ 4 à 5 Haïtiens qui arrivent à aller Notre-Dame avec des bourses quasiment complètes. Donc, c'est pour montrer nous que pour nous, on n'est pas ou pas vraiment obligé de faire un bagage grandiose. Parfois, c'est juste reconnaître que ou bien plus pouvoir pour penser et pouvoir être capable d'exercer dans des gens qui sont différents. Ou moins, c'était juste avec une conversation avec un monde qui peut-être a plus d'influence passée. Et un monde qui était capable de comprendre passion, qui était ouais comme t'es déjà fait un peu de travail pour te créer un kit, mal visiter jeune, on parle avec yo, yo aidez vous-même et ça t'a aidé motivé au plus. Donc, ou pas vraiment obligé faire un bagage qui grandiose qui trop pour corps pour capable gagner un impact concret. Parfois c'est juste garder qui ça qui bon autour, qui ça qui dans entourage ou. Et puis juste essayer parce que vraiment par exemple connait qui opportunité qui caché des monde qui dans tout ajout. Donc m'espère que cette histoire ça capable motiver quelques jeunes pour inciter ou pas vraiment rester chita attendre une grosse opportunité vienne joindre nous. Parfois c'est même qui pour chercher petite opportunité et puis petite opportunité ça va créer l'autre opportunité qui plus grand toujours. Et par un jeune nous saisi enchaînement qui vient dans tout panel là va avoir avec partage d'expérience et que nous même nous fait avec vous. Donc nous capable ouais que premièrement l'argent va nous bloquer donc peu importe petit ou petit faut pour commencer donc commencer même s'il pas grandiose commencer et voir saisir ouais si ça commence à faire qui gros impact venir. Donc je dis au monsieur que nous prenons tout ça en considération et nous avons l'autre question qui fait entrer dans le chat là qui est très intéressant parce que la question dit est-ce que faire social associé directement à faire politique? Non. Faire social pas associé à faire politique. C'est parce que moi, j'ai toujours pensé ça qui fait que par exemple, décider pour un agent, un acteur changement dans la communauté qui a vu là. J'ai toujours pensé que si on fait un bagage social, c'est soit y a il y a l'idée pour y avoir une députée, pour y avoir une maire, etc., pour y avoir une case. En fait, ça fait que la société de Nouvelle-Grand Paquet de bon monde paraît c'est la dernière qui a suivi l'État tête chargée, qui pour nous faire un bagage pour y avoir même en tant que citoyen, vous êtes engagé au fait dans la communauté. Non, social, pas gagné à faire avec politique. Ma petite anecdote, moi, c'est dire que ce projet, une organisation qui est Involve Haïti, pendant 2 ans, c'est moi qui responsable du projet et moi, j'ai payé 3 600 personnes qui scolaires pour aller à l'école chaque année. Pendant 3 ans. Rassembler 3 500 kits là, sans cob, sans l'argent, sans route. Comment me faire?
Moi connais Jean-Pierre, moi connais Fritz et puis me dit moi gagne 1000 1500 monde pour ma équipe scolaire année ça. Est-ce que ça fait un cadeau en plume? Est-ce que chaque monde là ca ou ca fait cadeau en plume ou bien cahier? Donc nous fait graisse cochon en fait cochon. Nous font collecte nationale dans communauté noire de kit et nous porter nous rassembler tout kit nous besoin ça nous pas besoin comme pour ça. Mais monde qui est responsable organisation par exemple, qui a une vision politique. Moi-même qui responsable projet qui toujours apparaît qui va demander mon adresse mon nom pas avec une vision politique. Donc ça c'est pour montrer que faire social pas gagner à voir avec politique ou faire premièrement pour sentir bien parce que bien-être là c'est pas qui important pour sentir bien. Deuxièmement faire pour communauté là qui avancer ou venir acteur changement sans pas gagner un chapeau politique là-dedans. OK, mais c'est ça très important parce que parce que en plus le monde pensait ça tout parce que une fois que on politicien ou une grande élection ou quoi que ce soit c'est là ça commence à faire des actions sociales la distribuer qui n'a pas donc c'est ça que fait non biège rien oui son biège le but c'est ça le besoin de l'associer et faire social directement à la politique qui doit avoir une action là tout le monde est grande élection oui Comme d'abord, je pense que c'est une mauvaise perspective. Parce que pour moi, j'aime garder social, surtout en tant que jeune. Pour un fait social, c'est les gens qui sont plus faciles pour commencer à acquérir l'expérience, surtout l'expérience leadership. C'est les gens qui sont plus faciles là. Parce que soit laisser faire un bagage dans le domaine entrepreneuriat et ses premières expériences, je pense que c'est beaucoup plus difficile. Parce que pour faire un bagage qui. Pardon, Yuslin? Non, il faut qu'on ait rien. En effet. Et puis, il faut qu'on ait plus de ressources tout. Pas de monde qui connaît, pas de monde qui va vraiment investir dans vous. Par contre, si vous commencez avec social, il faut vous montrer au monde que vous avez un leadership là, que vous êtes capable d'exécuter. Le salaire est plus facile pour vous supporter. Le quoi faire n'importe quelle autre initiative quelconque. Et Jean, Yuslin dit à l'heure à tout, je pense que faire social, là, pour moi, au moins, c'est un aspect. Côté que c'est presque un rôle de vance la carrière communauté. Donc, c'est presque un devoir que lié. Et en même temps, tout, je pense que fait social, c'est si son bagage qui est associé avec valeur qu'on gagne, c'est un genre pour que vous-même soyez capable de concrétiser valeur ça, pour mettre en perspective. Le point que j'aime t'expliquer tout à l'heure, un bagage qui est important pour moi, c'est gain impact concret dans la communauté, côté que je grandis. Donc, faire social permet de accomplir ça. Donc, on a assez facile. Donc, juste pour me résumer, c'est vraiment trois bagages. C'est concrétiser valeur, premier. Deuxième, c'est un devoir qu'on gagne envers la communauté. Et puis, troisième, c'est une opportunité qui est facile pour commencer à acquérir l'expérience, pour commencer à construire réseau, pour construire réputation, qui peut aider à l'avenir. Tout. Ok, je pense que participants qui a suivi avec nous qui ont posé des questions ça, quand tout prend note de tout ça, parce que faire social n'est pas directement lié avec politique. Au contraire, c'est où est un problème, où est un série de monde qui est dans une situation quelconque, où tu as aimé aider ou juste choisir de faire ça avec eux ou de mener une initiative pour pouvoir porter une solution. Donc, il n'est pas forcément tout lié avec politique. Bon, nous avons là, nous avons là qui a contribué à un paquet d'initiatives, mais ça ne veut pas dire que c'est des politiciens ou bien vous allez dans l'élection, etc. Vous êtes par contre sur l'élection? Non. OK, et je pense que nous sommes un bel panel, un belle expérience de partager, parce que c'est jeune Yokounia. Et capable plus ou moins de comprendre comment réagir par rapport avec une situation problématique, par rapport avec quelques difficultés, ou capable de jouer dans la réalisation du projet. Et comme dernier point, est-ce que nous avons un conseil que nous avons partagé avec les jeunes haïtiens, les jeunes entrepreneurs haïtiens, les jeunes qui voulaient porter un changement, les jeunes qui voulaient tourner des porteurs de changement dans la communauté? Donc, si nous avons un conseil pour nous, c'est qui ça t'a? Moi, je me dis, Kembe Red, Kembe Jam, la situation n'est pas facile. Et nous vivons là-dedans, nous connaissons. Et chaque jour, nous sommes plus malades. Psychologiquement,
Donc, tout, des malades psychologiquement, on connaît toutes les bagailles, la contagion physiquement, bien joué. Mais un moment difficile, c'est kembe pour kembe, c'est jeune homme bagaille pour accrocher, c'est accrocher à projet, c'est réviser objectif, il y a un moment difficile. Ouais, si je vais essayer façon A, il va marcher, je vais faire B A pendant un moment difficile. Je vais essayer de faire C, je vais garder, je vais équiper pour mettre là-dedans en plus, que ça me retirer. Qui petit projet m'a fait, petit projet qui t'a mené grand. Donc, c'est conseil moi ça. Et l'autre bagarre, c'est décider de venir un acteur changement pour tête ou avant. Parce que l'autre décider de venir pour tête ou avant, tout ça qui est possible pour être dans la ligne. Et qu'on ça, l'autre monde après le suivre et qu'on soit un acteur changement pour la communauté ou vivre là-dedans. Très bien. Merci, Yuslin. Même moi, je m'apprends un conseil ça et tout. Mais ça, je vais ajouter, c'est essayer pour chercher des gens pour aider nous. Pas hésiter à parler de gens, pas parler à de qui ça pourrait nous. Parce qu'on va que vous marquez souvent, même moi-même, tout pour faire ça qu'on arrive, nous hésiter à parler de gens, de projets que nous travaillons sur eux. Peut-être parce que nous sentons que nous sommes capables de voler l'idée ou bien parce que nous sommes capables peut-être minimiser nous ou quoi que ce soit. Mais ça comment encourager nous c'est depuis nous avons une idée dans tête nous essayer parler de idée ça avec autant de monde que possible pour nous joindre feedback pour nous joindre support parce que c'est ça qui a vraiment aidé nous à arriver plus loin parce que si nous étions pour compte nous n'a toujours qu'un petit projet qui peut-être pas privé qui en pleure que tu es capable de gagner si nous t'ai plus support donc pas jamais hésiter demander aide et puis solliciter feedback dans même monde donc ça c'est premier bagage là. Ensuite, essayer d'agrandir le réseau nous autant que nous sommes capables. Donc, le networking est extrêmement important. Chaque fois qu'on a un événement pour être capable de rencontrer l'autre jeune qui peut-être plus loin par soi ou bien qui n'a même stade avant, ou bien qui peut-être pas même dans le même stade avant, que vous même capable de support, essayer de rencontrer les gens. Il y a un pile qu'on est capable d'apprendre la caille chaque grand monde. Donc, vraiment pas jamais minimiser ça. Et essayer tout développer relation avec monde qui gain plus expérience par soi. Donc essayer chercher mentor le ça possible. Et relation pas obligé une relation formelle côté que monde relé tête li mentor, mais c'est capable de son monde que de temps en temps ou font check avec elle pour dire OK, mais qui bon que mieux, mais qui souci me gagner, qui sont à recommander mais etc. Parce que expérience l'autre monde, c'est de bagage qui capable utile non pile pour éviter fait même erreur que peut-être tu même fait et pour aider aller plus loin tout parce que parfois il y a l'opportunité pour que n'a pas un courant de eux donc ça entre dans même cadre parler de tête ou parler de projet pour gagner avec au maximum de monde que possible pour capable joindre autant de recommandations que possible et dernier ça que m'a quitté nous c'est ça que m'ont dit nous tout à l'heure donc toujours songer qui sa mission nous est premièrement deuxièmement garder impact là toujours garder chiffre et puis troisièmement essayer de transformer chiffre ça avec histoire pour que nous capables plus motivation toujours le NAPC avancer le NAPC aller plus loin parce que sans histoire ça histoire concret impact ça au moins pour moi pas ouais qui gens que m'ta capable continuer dans moment qui difficile yo. Donc c'est avec petit conseil ça que m'a quitté nous et content là avec nous aujourd'hui. OK, et nous même tout nous était très content gagnon avec nos vertil et au même tout Yuslin nous était très content gagnon nous sur parler dans jeudi hein. Nous partager un peu, nous échanger un peu parce que une apprend de l'autre et un bagage qui est important pour jeune connait c'est que monde pas jamais suspend apprendre. Donc chaque opportunité ou gagne pour apprendre saisir. OK, et dans programme PIC là, parce que dans programme de théâtre communautaire là, même si un jeune projet là pas ta fini dans neuf projets gagne, on passer ou sorti gagnant quand même parce que nous pas seulement dans programme nous pas seulement contenté ou mandé jeune projet mais nous fait des formations nous fait des panels pour bailler des expériences et puis pour agrandir bagage intellectuel pour avoir plus connaissances mais on pense son jeu gagnant tout le monde apprend et tout le monde sorti avec un bagage au moins même c'est une connaissance en plus tout le monde sorti avec un bagage en plus après programme. Et je pense que c'est vraiment très important et en pile l'expérience partagée je dis à m'a dit un gros merci à Jean-Pierre Vertil et un gros merci à Yuslin Vital qui était présent qui était là qui partageait en pile expérience avec jeune et merci toi tout le monde qui te suivent live sur Facebook tout le monde qui était dans zone
participants qui te posent des questions. Merci. Et c'est grâce à nous-mêmes qui te rendent ça possible. Donc, dans nos branches, nous avons dit tout le monde merci qui te participé avec nous. Parce que c'est là que nous mettons fin pour faire ça. Rendez-vous plus tard à 4 heures pour un autre panel assez intéressant et avec un autre thème, un autre panéliste qui va toujours porter des conseils, porter un paquet d'expériences pour nous et porter un paquet de connaissances pour nous. Donc, Marine, c'est le avec les interventions. Dernier mot pour finir. Eh bien, merci à tout le monde qui t'a suivi. Panel, merci à Banj, merci à Pic qui t'a invité. Moi, content. Oui, Jean-Pierre. Et si nous avons des questions, nous avons toujours écrit sur Facebook ou Instagram, Yuseline Vital, ou bien nous avons passé visiter. Et travail, si c'est paillettes, design paillettes en créole, donc nous avons des paillettes. Et puis design en anglais. Ma content ouais nous partager culture nationale que moi créé avec moi dans la communauté que nous y ou bien pour l'autre monde kawel. Et moi t'es content là tout avec ou Yuslin ou même tout Fritz et moi même tout aimé rester en contact avec nous. Si vous êtes capable d'aider nous pas hésiter contacter nous pas joindre sur tous les réseaux sociaux. Sinon, allez sur Facebook, Twitter ou Instagram. Donc, c'est @JPVertil. Je vais nous assez facilement. Moi, je réponds un message rapide tout. Donc, pas un problème pour nous pour répondre à quelques questions si nous avons plus de questions toujours. Et nous avons souhaité que nous songions un message important qui c'est vraiment pas tant, pas jamais tant. Okay? Donc, travaille avec son gain. Commencez petit, mais fais le bien. Et puis, mettez tête au dehors, parlez de tête ou parlez de sort de travail sur vous, essayez de chercher aide parce que si vous pouvez tout, vous pas privé aussi loin que vous êtes capable. Yes. Ok, donc encore une fois, merci à nous tous et pas oublier nous là pendant 3 jours, 3, 4, 5 juin et jeudi, demain, après demain, nous avons fait plusieurs autres panels sur différents thèmes. Donc, restez branchés ou adjoignez nous. Pour capable participer avec nous et rendez-vous plus tard à 4 heures pour notre panel. Donc, merci tout le monde. Papa, bisous, bye bye. Bye bye.